en tout cas, bravo à vous, vraiment. C'est un grand plaisir. Installée à Alès depuis 22 ans, la tatoueuse Fanny Amargier, surnommée Fanfan, vient de voir son salon Pictomania Tattoo, certifié de la norme ISO 9001-2008 par la FNOR. Alors, elle certifie la qualité de management d'une entreprise, c'est-à-dire de A à Z. La façon dont le client est reçu jusqu'à la prestation finale. Et tout ça est pris en compte. Il va y avoir bien sûr toute l'expertise métier qui va être contrôlée. Donc on va vérifier par exemple pour son activité, on va vérifier que les clients sont bien informés en amont, en aval de l'intervention. Vérifier que toutes les, bien sûr, les règles d'hygiène sont respectées, c'est un point important. On va vérifier la traçabilité des produits qui sont utilisés, notamment avec la polémique actuelle sur les encres, etc. Donc c'est extrêmement important. Bien sûr, le savoir-faire. Et puis toute l'organisation qui va être mise en place pour mettre en œuvre ces dispositions et s'améliorer. Une première en France, voire même au monde, dans ce secteur d'activité habituellement peu reconnu. C'est moi qui suis allée la chercher, oui, parce que j'estime que mon métier mérite vraiment, vraiment une reconnaissance à part entière. Et je souhaite participer de cette façon-là à l'édifice du tatouage une fois de plus. Ce qui est particulier ici, c'est que d'une part, elle est toute seule. Donc ça arrive, mais c'est rare. C'est très rare d'avoir une entreprise avec une personne qui est certifiée. Et puis, en l'occurrence, donc, l'activité de tatouage et de piercing qui est une grande première. Voilà. Donc il fallait un premier, bah, c'était elle. Pour moi, quand j'ai découvert l'ISO, c'était un outil. C'était un outil de performance et j'ai eu la chance qu'AFNOR comprenne bien ma démarche. Tatoueuse rime avec audacieuse. Un dossier qualité de 200 pages monté sur plusieurs mois, du sérieux, de la passion et deux jours d'audit plus tard, tout est possible.